Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Cordiam TV deux éminents spécialistes des lipides, le docteur Bertrand Carriou, qui est professeur d'endocrinologie au CHU de Nantes, et le docteur Michel Farnier, qui est lipidologue et qui travaille à Dijon. On voudrait, dans un premier temps, je vais poser la question à Michel Farnier, est-ce que vous pourriez nous présenter un panorama très succinct des lipides, des hypolipidémiants aujourd'hui, et nous dire où on va pour arriver peut-être à discuter de choses plus précises et encore d'actualité plus prégnante. Alors, merci pour cette invitation. Un panorama très succinct, il pourrait être très long. En résumé, les statines, bien sûr, sont toujours à utiliser en première intention. Nous avons eu un essai récent nous montrant l'efficacité de l'ézétimib et d'autres molécules peuvent être utilisées déjà sur le marché dans des circonstances particulières. Maintenant, dans ce qu'il y a en développement dans le domaine des lipides, en fait, beaucoup de classes nouvelles sont en développement pour agir soit sur le métabolisme des HDL, soit plus récemment sur le métabolisme des triglycérides et toujours, surtout, sur les LDL qui restent le critère principal que l'on doit essayer de normaliser. Et parmi tous les traitements agissant sur les LDL, la classe certainement la plus prometteuse est la classe des inhibiteurs de PCSK9. Et je crois que si on veut se focaliser sur une classe, il faut rester sur la classe des inhibiteurs de PCSK9. C'est elle qui est la plus avancée dans le développement. On entend parler des inhibiteurs de PCSK9 depuis un moment, mais c'est suffisamment récent pour qu'on demande à l'un d'entre vous, et en l'occurrence à Bertrand Carriou, de nous expliquer comment ça marche. Alors en effet, PCSK9, il faut déjà dire que c'est vraiment une success story, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de 10 ans entre le moment où on a identifié ce nouveau gène dans les hypercholestérolémies familiales, à savoir que quand on a trop de PCSK9, on a une hypercholestérolémie. Et à l'inverse, ce qui est aussi extrêmement rassurant et ce qui a accéléré le développement des inhibiteurs, c'est que les patients qui, de façon génétique, ont moins de PCSK9, ont moins de LDL cholestérol et surtout ont une réduction très importante des événements cardiovasculaires. Donc PCSK9, c'est en gros un inhibiteur du récepteur au LDL, qui est le récepteur principal, le récepteur pour faire l'épuration des particules athérogènes, donc le mauvais cholestérol, le LDL. PCSK9 est sécrété par le foie, va aller se lier au niveau du récepteur des LDL sur son domaine EGFA, donc au niveau extracellulaire. Et à ce moment-là, ça va entraîner une dégradation du récepteur au LDL. C'est-à-dire qu'au lieu d'être cyclé et assurer son travail d'épuration, le récepteur est dégradé dans la voie lysosomale. Donc pour résumer, plus vous avez de PCSK9, moins vous avez de récepteurs au LDL, et donc plus vous avez de LDL cholestérol. D'où l'intérêt de développer des stratégies d'inhibition. Donc il y en a plusieurs. La première et la plus avancée, c'est des anticorps monoclonaux qui vont spécifiquement trapper PCSK9 pour empêcher sa fixation sur le LDL récepteur. On peut imaginer aussi, mais c'est beaucoup moins avancé, des petits peptides qui bloqueraient l'interaction PCSK9 récepteur au LDL, ou également des antisens ou des siRNA qui bloqueraient la transcription. Voilà un petit peu les approches qu'on a autour des inhibiteurs de PCSK9 à l'heure actuelle. Les cardiologues vont finir par bien connaître ce mécanisme d'action, c'est très important. Ils sont par contre très intéressés par les études cliniques, en particulier les études de phase 3 dont on a déjà beaucoup parlé, et surtout par les études à venir qui vont déclencher la prescription en pratique clinique dans les années qui viennent. Les mécanismes donc sont désormais, sinon bien connus, du moins bien répétés, bien identifiés auprès des cardiologues. Ce qui les intéresse, c'est bien entendu ce qui se passe en clinique. Pour l'instant, beaucoup d'études de phase 3 et bien sûr la perspective d'avoir des résultats d'études de phase 4 très prochainement. Michel Farnier, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ces différents essais cliniques ? Alors effectivement, l'année 2014 a été très très riche. Nous avons obtenu les principaux résultats des grands essais de phase 3 des deux inhibiteurs de PCSK9, des anticorps monoclonaux, alirocumab et evolocumab. On va résumer l'ensemble de ces essais. En complément d'un traitement, quel qu'il soit, statine plus ézétimibe, ou en monothérapie, essentiellement pour les patients intolérants aux statines, en complément, on baisse le LDL cholestérol de l'ordre de 50 à 60, voire 65%. Donc une efficacité biologique absolument remarquable, avec la baisse de tous les paramètres hétérogènes, incluant une baisse d'une lipoprotéine particulière, qui est la lipoprotéine petit a. Donc de gros espoirs biologiques, qui font que, bien sûr, il est difficile d'imaginer que l'on n'ait pas à disposition ces nouvelles stratégies pour des catégories de patients prioritaires.
en attente après de la deuxième phase. Cette deuxième phase sera d'obtenir les résultats des essais de prévention cardiovasculaire. Et là, il y aura certainement une deuxième phase vis-à-vis des indications pratiques d'utilisation. Mais dans l'immédiat, pour quel patient, finalement, va-t-il falloir ou pourra-t-on proposer ? C'est-à-dire, quels sont les patients prioritaires, vu cette efficacité biologique ? Aucun doute, en priorité, ces formes familiales très sévères que nous ne pouvions pas traiter correctement jusqu'alors. Deuxième catégorie, des patients qui sont à très haut risque, traités pour le mieux et qui gardent un LDL cholestérol très loin de l'objectif. Qu'est-ce que c'est très loin ? Je n'en sais rien. On verra bien ce que les agences vont accepter comme remboursement ou pas pour ces catégories de patients. Et puis troisième catégorie, très difficile, on n'a pas le temps de détailler, mais pour l'identification, ce sont ces patients à haut risque qui ne tolèrent pas les statines et pour lesquels il faudra bien un jour pouvoir proposer quelque chose. Donc voilà en gros les priorités dans l'attente des essais de prévention et aussi dans l'attente, il faut le reconnaître, d'avoir suffisamment de données de tolérance à très long terme. Nous avons pour l'instant une base de données de tolérance dans la phase 3 qui est très réassurante. Aucun signal d'effet secondaire dans ce qui est évalué. Mais je crois que ça serait bien de demander à Bertrand Cariou. C'est bien de parler de tous ces effets biologiques et classiques vis-à-vis des effets secondaires. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que PCSK9 pourrait avoir un rôle ailleurs que dans le foie et un rôle autre que réguler le récepteur des LDL ? Effectivement, j'ai envie de vous poser la question parce que avec toutes les nouvelles molécules, et on l'a bien vu, les cardiologues sont un peu échaudés là-dessus, un enthousiasme initial qui est parfois rabaissé par le niveau de la tolérance qui n'est pas toujours ce qu'on attendait. Donc aujourd'hui, pas de problème de tolérance, mais est-ce que quand on va regarder en profondeur, est-ce qu'il n'y a pas des signaux biologiques en particulier qui pourraient laisser suspecter que dans certains domaines, ce ne serait peut-être pas du 100% de gagné en termes de tolérance ? Alors ma réponse dans un premier temps, je dirais à l'heure actuelle non, mais on a clairement besoin d'une recherche fondamentale qui continue sur PCSK9, parce que je vous ai dit, c'est une recherche accélérée, on a été très vite entre l'identification du gène, le concept d'inhibition et l'arrivée sur le marché d'inhibiteurs qui sont déjà en phase 3 et très proches, je dirais, des patients. Donc on a besoin de savoir que fait PCSK9 au-delà de l'action qu'on a ciblée sur la régulation du LDL cholestérol au niveau hépatique. Parce que PCSK9 est circulant et sécrété par le foie et est capable de réguler le LDL, le récepteur au LDL dans d'autres tissus. Donc on peut, avant que je détaille, simplement mentionner qu'on a quand même ces patients qui ont des mutations, perte de fonction de PCSK9 et qui vont plutôt bien, même très bien, puisqu'ils ont moins d'événements cardiovasculaires. Donc ça, c'est un élément qui est rassurant. Après, on peut imaginer des effets qui peuvent être même bénéfiques. On a montré dans mon groupe qu'au niveau de l'intestin, PCSK9 pouvait réguler l'hyperlipémie postprandiale. C'est-à-dire que les inhibiteurs, en plus de baisser le LDL, pourraient aussi, pourquoi pas, améliorer l'hypertriglycéridémie postprandiale, donc contribuer à diminuer le risque cardiovasculaire. PCSK9 est exprimé au niveau du rein. Il n'y a pas de données claires qui montrent que PCSK9 pourrait avoir un effet délétère sur la tension artérielle. Les patients qui ont moins de PCSK9 ont plutôt même parfois tendance à avoir une tension artérielle plus basse. PCSK9, une des grosses questions qui va apparaître aussi, suite à la polémique autour des statines et au risque de diabète, PCSK9 est exprimé au niveau de la cellule bêta, du moins régule le récepteur LDL au niveau de la cellule bêta, et est-ce que quand on va utiliser PCSK9 et surtout faire baisser le LDL très bas, on va augmenter le risque de diabète ? Les données actuellement précliniques sont contradictoires, sans qu'il y ait vraiment de gros signal de safety particulier, mais il va falloir être vigilant dans les études de phase 3 pour aller regarder les paramètres glucidiques, l'hémoglobine glyquée, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à progresser sur ces aspects-là. Et un dernier aspect, c'est au-delà de la baisse d'utilisation de PCSK9, ce qui est intéressant avec les anticorps monoclonaux, c'est qu'on a vraiment une action uniquement sur PCSK9 circulant, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller agir sur PCSK9 à l'intérieur de la cellule, donc ce qui est déjà rassurant. Et après, il va falloir aussi qu'on ait des données de tolérance sur les niveaux très bas de LDL, puisque là, on va arriver à des 0,25, 0,20. Et les premières données à un an, donc il faut rester prudent, montrent qu'on a un profil de tolérance comparable entre les patients qui atteignent des taux de 0,5 avec ceux qui atteignent des taux en dessous de 0,25. Mais c'est vraiment clairement une affaire à suivre. Il faut rester très vigilant, à la fois en termes de recherche fondamentale pour comprendre le mécanisme de PCSK9 ailleurs que dans le foie, et également en termes de pharmacovigilance. Après ce que vous venez de nous dire et après ce que les cardiologues ont entendu dans les différentes manifestations, les congrès, etc., il est évident qu'ils piaffent d'impatience de savoir quelle est la prochaine étape. Et la prochaine étape, Michel Farnier, c'est les résultats. Quels sont les résultats attendus qui vont vraiment nous donner un grand pas, nous faire faire un grand pas en avant ?
bien après les résultats de phase 3 qui sont maintenant tous connus, bien sûr, ce sont les résultats des études de prévention cardiovasculaire. Et d'ailleurs, il y a trois, en fait, anticorps monoclonaux en développement qui ont déjà lancé trois grands programmes de prévention cardiovasculaire. Et si l'efficacité est en rapport avec cette baisse du LDL cholestérol, peut-être d'ailleurs qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps que ça, car on peut avoir une réduction absolument spectaculaire des événements cardiovasculaires, et peut-être que dans 2-3 ans, nous saurons déjà si oui ou non, cette baisse du LDL cholestérol est corrélée à une diminution significative et très importante des événements cardiovasculaires. Pour faire plus simple, ma question avait une arrière-pensée. Est-ce qu'à l'ACC, nous aurons des résultats probants qui vont nous conforter dans cette position ? Non, nous aurons des données complémentaires essentiellement de sécurité d'emploi, avec encore des données complémentaires sur des taux même plus bas que ceux que vient d'annoncer Bertrand Cariou. Mais il faut attendre maintenant au moins 2-3 ans pour avoir des résultats d'essais de prévention. Donc il y aura une phase d'attente après les populations prioritaires que j'ai définies antérieurement. Donc il va nous falloir patienter et en attendant, je vous remercie d'avoir participé à ce mini-débat et nous allons patienter ensemble jusqu'à un certain nombre de mois, d'années, avant de passer à la pratique. Merci.